Bonjour mesdames, messieurs, mon nom est Francis Levin Croteau, alias Prodéo, et je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne des Lynx du Cégep Édouard-Montpetit pour vous présenter ce soir, encore une fois, du Rocket League, c'est du jeu électronique, et on a bien hâte de voir la suite. Et pour voir la suite, on va aller retrouver mon co-animateur que j'ai la chance d'animer avec, monsieur Olivier Roy, alias Aratrox, bonsoir. Comment ça va, Francis? Ça va très bien, très bien. Alors, peux-tu nous parler du match qu'on va diffuser ce soir? Écoute, sans plus attendre, on a le Clash des Titans devant nous. Je pense que ça vaut la peine de le dire. On a nos Lynx numéro 1 qui n'ont toujours pas perdu de match dans les éliminatoires et qui sont face à la seule autre équipe qui n'a toujours pas perdu de match dans les éliminatoires, qui est Saint-Hyacinthe. Saint-Hyacinthe qui est une formation solide, pour dire le moins. On a 4 joueurs en ce moment dans le lobby. Là. Je ne sais pas qui va embarquer sur le terrain. Mais on a Ruka, Salty, Dobbs et Elkun. Je ne serais pas surpris de voir Ruka et Elkun, le duo fameux, embarquer ensemble. Reste à voir qui sera le troisième. Du côté des Lynx, on a Unfofo, Dax et Paxer, comme à l'habitude. Donc, une formation des Lynx qui est assez stable, qui se connaît, qui joue ensemble, qui a la chance d'avoir une belle cohésion. On a une très grosse équipe face à nous, par contre, ce soir. Va falloir travailler fort pour aller chercher une victoire. Effectivement, va falloir travailler fort. Et on se rappelle que c'est la seule équipe Lynx 1 qui est présentement dans la winner bracket en plus, là, dans l'âge supérieur, et qui est encore en vie. Oui, mais en fait, on a encore les Lynx 4 qui jouent ce soir en tournoi de consolation. Mais oui, en effet, c'est notre seule équipe qui est encore en vie dans les playoffs. Donc oui, on la chérit, mais dans tous les cas, on en a au moins pour une semaine avec eux, cette semaine et la semaine prochaine, tout dépendant. Mais on perdra pas plus de temps, Francis, les joueurs qui commencent à joindre le terrain, on va pouvoir y aller pour un premier match. Match numéro 1, ça part. Et c'est parti, Saint-Hyacinthe contre Lynx eSports, comme je disais, c'est Dobbs, Elkun et Ruka face à Unfofo, Paxer et Dax. Match numéro 1, c'est parti. On a Paxer dans les airs, on va aller chercher... la touche early pour tenter de centrer. Pas en offensive pour les Lynx. Unfofo qui va renvoyer vers le centre. Une démolition de Dax qui ouvre un peu le jeu. Mais on réussit à dégager du côté de Saint-Hyacinthe avec Elkun. Démolition sur Paxer. On est en 2 contre 2. On réussit à amener sur le mur arrière. Passe au centre. Mais Unfofo qui rentre très rapidement dans le coin. Dax qui est là pour le follow-up. On a seulement 13 de boost. On va se faire battre par Ruka qui s'enligne pour sa double touche mais va la manquer. Unfofo qui va reforcer dans le coin pour Paxer qui va passer la mi-terrain. Dobbs à son tour va bloquer mais très rapidement renvoyé au centre de l'autre côté par les Lynx. Elkun va tenter de prendre le contrôle. On va faire une collision en zone défensive entre les deux autres joueurs des lauréats. Et on va perdre le contrôle en zone offensive, ce qui permet aux Lynx de venir s'établir en zone de Saint-Hyacinthe. C'est très bref par contre, très rapidement, Saint-Hyacinthe qui vient à l'opposé. Belle pop dans les airs, Unfofo qui arrive en premier sur la balle, permettant à son équipe de ne pas allouer de but. Unfofo. On va tenter de dégager, mais on va se faire rapidement bloquer par Elkun. Elkun qui va tenter de faire une passe, sera rapidement bloqué par Paxer. Là, c'est Unfofo. On a les trois joueurs des Lynx qui sont en bonne position, mais très rapidement, Dobbs qui les renvoie à la ligne centrale. Dobbs qui va manquer sa touche. On renvoie en zone défensive, mais le tir directement bien placé de Paxer qui force Dobbs à faire un arrêt difficile. On va tenter de garder la pression avec les Lynx. Dax qui tente de centrer. Dobbs. Aucun boost, mais qui réussit à renvoyer dans le coin. On tente la pression toujours. Le tir! Et ça va finir par rentrer. Paxer avec la pression continue. Les Lynx qui se prennent les devants 1 à 0. Tu l'as dit, quelle pression! Paxer, la passe. En fait, non. Là, c'est tellement un tir directement. Une passe avec le sol, oui. Et ça rentre. Un tir en latéral, vraiment. Là. On va se relancer directement. Déjà 1 à 0 pour nos Lynx. Dans ce premier match, on le rappelle, c'est un meilleur de 5. Pour remporter 3 matchs, pour remporter le tout. Les Lynx qui se donnent une option sur la grande finale avec une victoire ce soir. On est en zone défensive de Saint-Hyacinthe. Dax qui réussit à renvoyer sur le backboard pour Paxer. On tente le tir et ça va rentrer. 2-0. Seulement 2 minutes de jouer. Très belle pression. Ici, Dax qui voit bien son coéquipier Paxer en avant du but. Lui, donne pas la vie facile pour son tir, mais Paxer est tout de même capable d'aller chercher ce tir dans les airs et la cadrer pour mettre à l'avance 2 à 0. Ouais, là, c'est le jeu de la maraude sur le kick-off qui va donner l'avantage à Dax très rapidement. Ruka qui va venir couper, par contre, et relancer avec Dobbs. Ça va être
Foufou en défense chez les Lynx. Dernier homme qui va faire un très haut dégagement. Attrapé dans le coin par Elkoun, mais très rapidement, Paxer qui vient garder la pression. Dégagement de Ruka. Ça va être une collision dans les airs qui va empêcher tout le monde de faire quelques contacts que ce soit avec la balle. Et c'est Foufou qui est forcé de faire un arrêt par la suite. Foufou qui est avec la balle, mais perd un peu le contrôle. Et ça va être Elkoun par la suite. Elkoun, un petit air dribble, ça devient un tir. Mais Dax, qui ne bronche pas, fait l'arrêt à son tour. Ça va passer par-dessus Ruka. Elkoun qui est en retraite défensive. Bel arrêt par la suite de lui-même. C'était un beau tir-passe des Lynx. Par la suite, un tir cadré. Unfofo! Et c'est 3-0. Les Lynx qui prennent les devants. Mais quelle domination ici! On blanchit pour l'instant l'équipe de Saint-Hyacinthe. Les Lynx en pleine domination. 2 minutes 22 à faire. Et 3 buts déjà. Donc 3 buts d'avance pour les Lynx. C'est pas fini. On y a pris pas mal à la mi-match en ce moment. Voyons la suite. Oui, j'aime la rotation des Lynx. J'aime les voir en confiance comme je les vois en ce moment. On est capable de se commettre à deux sans commettre l'erreur d'aller chercher le troisième homme dans le vide pour un jeu qui ne mène nulle part. Donc les Lynx qui sont capables de faire ce qu'ils ont à faire et qui sont présents en défensive en ce moment. En attendant, Saint-Hyacinthe qui tente de s'établir. Ruka passe au centre pour Elkoun. C'était bien tenté, Paxer qui était présent en défense. Dax à son tour qui va forcer 50-50 avec Elkoun. Ça devient tout de même une passe pour Ruka, mais tir peu dangereux. On avait tenté le bump avec Elkoun, mais ça ne passera pas. Unfofo, avec un seul homme devant lui, va réussir à forcer un 50-50, mais très rapidement, Ruka qui va dégager. Paxer qui garde la balle dans la zone offensive. Passe pour Dax, Elkoun qui va forcer un 50-50, mais ça va être à l'avantage des Lynx. Le tir d'Unfofo et ça va rentrer! 4-0, nos Lynx qui sont en feu ce soir. Est-ce que, Aratrox, tu t'attendais à une telle domination? Écoute, vraiment pas en début comme ça, mais on va pas dire non. Match numéro 1 qui va comme sur des roulettes, pour dire le moins, pour nos Lynx. Numéro 1, 4-0 avec 1 minute 34 à jouer. Donc, on est en pleine possession de nos moyens. Et on veut juste pas regarder derrière nous par la suite. Dax, en ligne pour la double touche. On est pas assez près. Elkoun par la suite qui va dégager. On prend le contrôle chez Elkoun. Tenter le petit dribble, ça ne fonctionnera pas. On va avoir Unfofo qui va nous challenge comme il se doit. En tout cas, sur le backboard, ça devient une passe en dégagement pour Unfofo. Mais on va bloquer au centre avec Elkoun. En zone offensive pour Saint-Hyacinthe, on va tenter le tir. Ça sera sur la barre transversale et dégagé dans le coin par Dax. Paxer qui prend la relève, on tente de renvoyer au centre, peut-être pour un joueur qui ne viendra pas. Ça devient une passe presque pour Ruka, mais Unfofo qui vient à la rescousse et réussit à forcer une possession offensive pour les siens. Paxer sur la ligne centrale qui va réussir à prendre la balle. Va forcer dans le coin, passer le 50-50 avec Ruka, mais ça va être renvoyé vers Unfofo par la suite. Ruka et Dobbs dans les airs qui vont y aller d'un double commit. Dax qui va tenter de punir. On a seulement Elkoun à battre. Passe au centre, peut-être pour un coéquipier qui ne viendra pas. On a démoli Paxer du côté de Dobbs. Belle lecture de jeu de sa part. Empêcher le tir en détruisant le tireur. Il n'y a pas plus simple. Toujours 4-0 pour nos Lynx. Une trentaine de secondes à faire dans ce match numéro 1. C'est presque fait. Il suffit de garder l'avance. Ruka qui est dans le coin va réussir à tenter de garder la possession. Ce sera fait, mais de manière momentanée. Unfofo qui va réussir à compléter le dégagement pour les siens par la suite. On va garder la possession en zone offensive. Plus que 10 secondes. Et les Lynx qui vont empocher une première victoire, mon cher Prodeo, dans cette série. Série, comme on le rappelle, 3-5, qui est un peu vite jouée, mais qui sera... On sera plus que content d'aller chercher cette première victoire. Oui, mon cher Trux. Et là, on vient de voir quelque chose qu'on ne s'y attendait pas autant que ça. La domination des Lynx. Et là, non, mais comme je le vendais, je m'attendais énormément à un match très serré qui allait se jouer dans les tranchées, qui allait se jouer sur des petites erreurs. Et là, c'est pas du tout ce qu'on a pu nous offrir. Les joueurs des Lynx qui sont en feu, qui ont pas du tout laissé leur défensive se faire percer et qui ont envoyé en zone offensive sans arrêt jusqu'à temps qu'on ait un coussin de 4 buts puis on s'est dit c'est correct, on va juste conserver à partir de ce moment-là. Et c'est ce qu'on a fait de manière très bien. On a eu quelques moments en zone défensive, mais tout le temps en pleine possession de nos moyens. Jamais hors rotation, jamais avec zéro de boost dans les cages. On était toujours bien placés, puis c'est ce qui a permis de blanchir Saint-Hyacinthe dans ce match numéro 1. Et tu l'as dit en défensive quelques fois, et ce que j'ai remarqué surtout en défensive, c'est quand un joueur des Lynx n'avait pas la balle ou qui fendait en l'air, il y avait un de ses coéquipiers qui était là pour venir défendre avec lui, donc c'était une défense d'équipe, et là je pense que ça l'a payé. Oui, ben c'est le fameux follow-up, là. Peu importe la situation, peu importe le rang, c'est toujours important d'avoir quelqu'un prêt
capable d'intervenir. Si on force un 50-50, si on manque la touche, on doit avoir notre deuxième homme qui est prêt à venir intervenir. Et c'est ce qui a permis aux Lynx d'être toujours, en fait, premier, deuxième, là, si j'aime le dire, de cette façon-là. En étant premier, deuxième sur la balle, on s'est permis de garder des possessions avantageuses et on prend les devants 1-0 dans la série. Et voilà, deuxième partie qui débute. On voit les joueurs en milieu de terrain. Ilkun, tu fais une passe. En fait, essaie de contrôler avec le plafond, un bon sol. Ça fait une belle passe à Salty. Et finalement, c'est les Lynx qui prennent le dégagement. Bel arrêt de Ruka ici avec son propre backboard. Et encore Ruka! Mais je pense que ça n'était pas cadré pour les Lynx cette fois-ci. Paxer rate sa touche. En fait, tout le monde ne touche pas sa balle. Mais Ruka sur la ligne début. On bombarde. Ce n'est que les mots pour dire en ce moment, mon cher Atrox. Écoute, un fake, si j'ose dire, de Paxer qui va finalement mener à une confusion complète en défensive chez Saint-Hyacinthe. Et Salty, malheureusement, nouvelle arrivée, on ne l'a pas mentionné, qui est venu sub-in pour Dubs. Qui n'a pas réussi à garder son momentum assez pour aller chercher la balle. Et très rapidement, les Lynx qui vont prendre les devants, même pas 40 secondes en fait, et qui sont en offense par la suite là avec une belle possession. On a une très belle attaque ici. Belle! Beau dégagement ici de la part encore de Saint-Hyacinthe. Encore une fois, nos Lynx sont présents en défense, qui avait oui. Le joueur posté et qui était prêt à réceptionner pour repartir sur une attaque. Ce sera un renvoi de l'autre côté de la part de Saint-Hyacinthe. Paxer qui va tenter de contrôler, en fait, de passer. Ilkun, c'est fait. On passe Salty. Également, c'est fait. Ilkun tente avec la balle de peut-être cadrer ce tir. Ça fait une passe à Ruka. Et l'arrêt ici. En fait, ça, un dégagement sur son propre coin de terrain. Ilkun l'envoie un peu trop fort par-dessus son propre... par-dessus les buts des Lynx. Et ça reste dans les mains des Lynx. Dax, avec le dégagement, va l'envoyer un peu trop fort. Ne peut contrôler cette balle. C'est renvoyé à Unfofo. Bien arrêté de Ruka dans la zone de Saint-Hyacinthe. Ruka, toujours pour lui. Maintenant pour Ilkun. Ça s'en va directement de l'autre côté. Dax en défense avec Paxer. Ruka qui fait une passe sur le backboard et finalement, ben, ils peuvent rien faire. Ça reste toujours en avantage des Lynx. Ouais, vraiment nos Lynx là, qui sont... invulnérables en défense et qui n'ont pas besoin de s'illustrer plus que ça en offense en ce moment, qui ont confortablement un coussin d'un but, mais qui ont blanchi dans les grosso modo 7 dernières minutes Saint-Hyacinthe et qui ont la recette pour continuer de le faire. Donc ils vont tout simplement appliquer cette recette et tant qu'il n'y aura pas de changement à faire, les Lynx vont être très contents de garder cette formation-là. Ruka tente un dribble aérien, c'est Paxer qui intervient. Unfofo qui vient immédiatement avec l'aide de Paxer. Unfofo le tire, contré par Saint-Hyacinthe. Ça va être une balle qui va faire du ping-pong du haut vers le bas. Dans la zone des Lynx maintenant. On y va avec Paxer. Ruka, une passe au centre, mais ça va donner la balle à Dax directement. Donc ici, on a une balle donnée de la part de Saint-Hyacinthe. Unfofo ne peut faire la deuxième touche. Dax tente de continuer avec la balle, mais n'est pas capable. Ça reste en attaque. Fait que ça, belle défensive ici, mais elle se fait contrer de très belle façon. Ilkun! Eh bien, je pense que c'est le premier but de Saint-Hyacinthe lors de cette soirée. Il aura pris du temps, 8 minutes 10 de jeu pour un seul but pour Saint-Hyacinthe. Un beau but de la part de Ilkun qui va tout simplement battre le dernier homme des Lynx. Sans trop de problèmes, là. On s'était commis malheureusement sur un jeu où l'adversaire avait encore une option sur le flip, ce qui a été contré de manière assez facile et est venu très rapidement nous déjouer. Mais autre que ça, les Lynx qui restent en bonne possession de leurs moyens, qui ont ralenti la cadence offensive, mais qui ont tout de même réussi à garder la défense assez clean. Un arrêt épique ici de la part des Lynx et ça fait une chance de faire un tir de loin, vraiment un tir de loin ici. Unfofo qui compte et reprennent les devants, les Lynx 1-1. Ouais, là, j'ai envie de dire que c'est un mauvais jeu de la part de Ruka parce qu'on voit Unfofo s'en venir pour le dunk. On le sait, on veut pas lui donner. J'aurais préféré une touche, pas une touche molle comme on a fait, mais une touche où on force la balle en low 50-50, où on va forcer la balle à rester au sol plutôt qu'un rebond vers le haut, où on sait que le dunk s'en vient.
Là, on l'a vu. C'est ce qui est arrivé. Le Dom qui donne un dégagement complètement gratuit. Les deux autres joueurs qui sont hors rotation, qui ne sont pas capables de revenir à temps pour faire l'arrêt. Ça donne le deuxième but aux Lynx. Et avec une minute à jouer, les Lynx qui ont l'option sur ce match numéro 2. Hey, ici, on a vu Salty qui a tenté le bump. Et ça l'a simplement déconcentré, si je me trompe pas, l'équipe des Lynx. Et à deux, ils ont réussi à faire une passe et un tir. Ouais, ben ça commence avec le mauvais clear de Unfofo. Unfofo qui voulait forcer la balle dans le coin. Malheureusement, positionne sa voiture un peu mal et a un flip reset. Tu vas me dire, c'est un problème de SSL, ça, cette affaire-là, avoir un flip reset quand tu le veux pas. En effet. C'est cadré! Pour finir ce que je disais, on a le flip reset, mais ça fait une touche toute guenille qui se ramasse juste collée sur notre poteau. Ça devient une balle extrêmement dangereuse que les Lynx n'ont pas le choix de dégager, ne réussissent pas à faire, et c'est dans les cages. Par la suite, c'est un double commit sur la balle qui va forcer ce troisième but. Et là, avec une minute à jouer, les Lynx qui tirent de l'arrière pour la première fois de la série. Oui, donc ça a commencé avec une égalité. Après ça, les Lynx se reprennent devant. Et là, ben, c'est rendu Saint-Hyacinthe qui prenait devant, mais encore 45 secondes au tableau. Ruka, très beau dégagement dans le coin des Lynx. Numéro 1, Unfofo, tente de contrôler. Ça passe Salty, tente de passer Ruka. Ça fait une passe à Dax. Le tir, c'est raté. Et la reprise de Paxer directement dans les cages. Égalité, encore une fois, lors de ce match. Et là, c'est le jeu d'équipe des Lynx qui démontre encore une fois pourquoi il fonctionne si bien. On a Unfofo qui va forcer la balle tout du long avec sa touche, va l'amener jusque dans le coin. Par la suite, on a un Dax qui va réussir une première touche vers le backboard, qui va donner une très belle passe à Paxer, qui va compléter le jeu par la suite. Mais les trois joueurs sont impliqués et les trois joueurs sont restés en rotation tout du long sans jamais donner d'opportunité de dégagement gratuit qui transforme en but. Et le Paxer avec un cut! Mesdames et messieurs, ça c'est un cut magique! On est venu rattraper la balle de justesse, drift en même temps, renvoyer la balle à 180 degrés et on prend la défense de course. C'est 4 à 3 avec 15 secondes à jouer. Et on ne peut arrêter cette balle du côté de Ruka étant donné que cette balle a été rentrée. On va le dire, elle est rentrée au poste. Et là, avec une quinzaine de secondes à faire, est-ce que les Lynx vont pouvoir gagner cette deuxième partie? 3 secondes. Et une seule seconde. Une seule seconde. Et là, c'est proche. Oh, quel arrêt d'Unfofo. Je crois que c'est l'arrêt du match ici. Et là, on ne peut continuer. Ce sera une victoire des Lynx, encore une fois, mon cher Aratrox. Mais quel match! Quel match! On a vu vraiment, là, l'arrêt à la fin, là. C'est oui, une extrémiste, wow! Qui est définitivement l'arrêt le plus important à oui. ce point-ci de la série, qui va permettre aux Lynx de ne pas avoir à se manifester dans un potentiel overtime, va garder les devants, et même là, prendre les devants 2 à 0 par la suite dans la série. Je vais pas te mentir, je m'attendais vraiment pas à une série qui prenait cette allure-là. C'était tout sauf ça, selon moi. Là. On allait avoir une série extrêmement serrée. Mais le match numéro 2 qui ressemble beaucoup plus à ce genre de série-là. Je m'explique, on n'a vraiment pas un match qui s'est joué de manière unilatérale. C'était pas un 4 à 0 pour nos Lynx comme le premier match. C'était vraiment un match où les Lynx ont pris les devants 1-0. Et là, tout d'un coup, c'est 1 à 1. Et là, c'est 2 à 1. Et là, c'est 2 à 2. Et là, c'est 3 à 1. Et 3 à 2. Et 3 à 3. Et là, c'est 4 à 3 pour les Lynx. Et vraiment, ça s'est joué but par but. Ça s'est échangé petit peu par petit peu. Et nos Lynx qui vont clutcher la victoire, faut le dire. Oui, c'est ça. Parce qu'ils risquent de perdre cette partie. Parce que c'est un best of 5. Saint-Hyacinthe, s'il laisse la chance aux Lynx de gagner cette prochaine partie, alors là, ce sera terminé. Pendant le temps qu'on a demandé un remake de la part pour le ouais, ben, des équipes pour le serveur. Qui a demandé un remake, là, les serveurs qui avaient de la misère. On avait c'est les problèmes liés au jeu en ligne. Là, on n'est pas en LAN, malheureusement. On n'a pas, un gros 3 de ping pour chacun des joueurs. Non! Et on est un peu dépendant des serveurs de Psyonix. Mais c'est ça, pour revenir sur la victoire, une performance vraiment des Lynx là, irréprochable. Peu de détails. On a gardé le mental, on a gardé la bonne attitude, même quand on a traîné de l'arrière, c'est arrivé une seule fois, mais ça suffit. Nos Lynx qui sont allés chercher la victoire malgré tout, qui sont revenus de l'arrière et ont compté en régulation dans la dernière minute 2 buts
pour venir prendre les devants 4 à 3 et l'emporter. Donc vraiment une belle performance, une belle démonstration de caractère de leur part qui les amène avec 3 points de match devant eux. Saint-Hyacinthe qui doit forcer le reverse sweep ou qui devra s'incliner. Les Lynx qui ont 3 balles de match devant eux. Match numéro 3, c'est parti. Et on a reswap Dubs pour Salty. Formation du match numéro 1 pour Saint-Hyacinthe. Les Lynx qui sont partis Ruka après 2 démolitions. Paxur qui réussit à forcer le 50-50 et prendre la possession par la suite. On va s'envoler dans les airs, passer par-dessus Elkun. On a juste Dubs en défense. Dax qui vient couper la balle et c'est 1-0 après seulement 18 secondes. Et là, on reprend directement l'avantage en début de partie comme on l'a fait durant les autres parties. Les Lynx encore en avance. Et là, ça joue, je me répète à chaque semaine, là. Mais on joue du mental, je pense, du jeu de rattrapage. Peut-être que ça peut être compliqué du côté de l'équipe adverse. Puis aujourd'hui, c'est des Lynx, je veux dire, Saint-Hyacinthe. Et là, on égalise. Ah, et là, c'est malheureusement un mauvais jeu de la part de nos Lynx. Là, c'est une touche facile pour Paxer, qui va totalement manquer. Un bon vieux whiff, comme on les aime. Et là, Elkun qui va profiter de la cage béante. Mais tu le mentionnes, un jeu de mental. Je tiens à mentionner que Saint-Hyacinthe n'a pas tiré de l'arrière très souvent dans la saison régulière, dû au fait qu'on était dans le groupe 1B, dû à la façon dont les groupes sont formés. Saint-Hyacinthe, qui a été dans le groupe 1B, mais qui a été plus que dominant dans ce groupe-là, on n'a vraiment pas tiré de l'arrière souvent. Et là, peut-être qu'on se met face à une réalité qu'on n'est pas habitué de voir, mais écoute, on me fait mentir avec ce beau jeu de passe. Saint-Hyacinthe qui fait 2-1. Mais quelle passe de Dubs! Et là, on parle d'une passe directement sur son coéquipier à Elkun. Et Elkun, qu'est-ce qu'il fait? Il réplique avec une autre belle passe directement cadrée sur Dubs pour la mettre au fond du filet. Et là, ils reprennent les devants 2-1. Mais là, on rappellera qu'ils sont en avance pour cette partie, mais pas pour cette série. Faudra en mettre le paquet, comme on dit. Oui, comme je le disais, Saint-Hyacinthe qui doit forcer le reverse sweep pour remporter. Les Lynx qui ont 3 balles de match devant eux. Paxer qui va réussir à gagner la zone offensive, réussir un dunk même par la suite qui va renvoyer dans le coin offensif. Va manquer le dégagement du côté de Ruka, mais très rapidement reprendre la possession et battre 2 joueurs. Dax en dernier robe va réussir à renvoyer dans son coin défensif. Prendre la possession de la balle, 50-50 contre Ruka qui va neutraliser la balle d'un coin. Donc Popo qui va par la suite venir prendre l'avantage. On réussit à renvoyer dans les airs et à dégager la zone. Dax qui va tenter de venir en aide pour compléter le tout. Dubs qui en homme tel un mur va réussir à garder la balle sur la ligne médiane et garder les siens en zone offensive par la suite. Ruka, la double touche, c'était presque cadré, c'était bien tenté de sa part. On tente d'y aller de jeu un peu plus mécanique de son côté et ça a presque fonctionné. Dax qui renvoie. On réussit à passer par-dessus les joueurs, en battre même un, mais très rapidement, Ruka qui va réussir à renvoyer sur le côté. Dubs en zone défensive. Renvoie. Oh, la passe! Oh, pour le centre! Oh! C'était tout près! Quel tir de Paxer! C'était tout près. Oh oui, Paxer quel jeu Dax. Ici! Oh! Et là, écoute, Dubs qui est allé du 500 IQ en ne touchant pas à la balle. On allait forcer long goal si on y touchait, si on tentait de faire quoi que ce soit. On y a pas touché, on a laissé la balle rouler et c'était hors cadre. Bien joué de sa part. On aurait vraiment facilement pu tomber dans la trappe de toucher la balle et de forcer son propre own goal. Ruka qui va tenter de renvoyer au centre va se faire démolir par Unfofo. Ça va être Dubs par la suite qui va forcer dans son propre coin. La moitié du match de fait déjà. C'est 2-1 en ce moment pour Saint-Hyacinthe. Double commit de leur part d'ailleurs. Paxer avec Dax devant lui. On a tenté la démolition, mais le early challenge de Saint-Hyacinthe leur aura permis de garder... De retirer de la pression. Passe au centre. Dax qui va tenter de compléter. Malheureusement, ça ne fonctionnera pas. Ruka dans les airs. On est en vol. On réussit le flip reset, mais on perd le contrôle par la suite et on ne réussit pas à compléter. Dax réussit à bloquer le tir qui devient un dégagement pour Paxer. C'est un tir cadré. Ruka, arrêt de routine, va reprendre la balle. Elkun, dégagement pour Ruka par la suite. Ça va être Dax en zone défensive qui renvoie vers Unfoco. Faire Dax encore une fois. Le jeu d'équipe des Lynx fake par le dessous. Hey! Quel arrêt de Dubs! Ah! Sur la ligne début, le tout sur la ligne début. Mais les Lynx qui gardent la pression quelques secondes de plus, ce ne sera pas suffisant. Ruka qui renvoie en zone offensive, ça va être manqué par 2 joueurs des Lynx, mais finalement on va réussir à renvoyer sur le côté. Paxer qui réussit à battre plusieurs joueurs. Elkun qui va renvoyer dans le coin. Ruka en dégagement qui réussit à forcer dans le coin offensif. Très rapidement, ce sera laissé pour Chouard dans le coin du côté des Lynx. Dax en pinch avec son propre backboard va réussir un semi-dégagement.
Ça va être Ruka qui va prendre la possession offensive, mais heureusement pour les Lynx, on réussit à dégager par la suite grâce au pinch. Unfofo qui tente le tir. Ce sera hors cadre et un arrêt facile pour Elkun. Dax par la suite qui va prendre la balle. Oh, un pinch qui venait de nulle part et qui a presque réussi à être cadré. Plus qu'une minute à faire. Les Lynx qui tirent toujours de l'arrière par un. Belle passe au centre. La part de Unfofo. Oh, oui! Qui tente le tir oui! et ce sera fait. Oui! Baxter qui nivelle la marque avec 52 secondes à jouer. Et là, on a vu ici Unfofo qu'au lieu de tirer au but, il l'a fait une passe sur le backboard. Oui, on est allé bumper Dubs. Dubs qui aurait eu un arrêt relativement facile sur le jeu. Et on a forcé la main de Saint-Hyacinthe, niveler la marque avec un peu moins d'une minute à faire. Ça va jouer encore une fois avec le mental où Saint-Hyacinthe n'a pas réussi à clutch le dernier match. Là, on se dit c'est un peu plus dur mentalement de se remettre dedans. Les Lynx en zone offensive. Ruka qui va laisser la balle passer par-dessus lui, mais prendre le contrôle avec le turn par la suite. On réussit à garder en zone offensive tout de même avec les Lynx. Une Fofo qui force sur le côté, mais ça va être dégagé par Dubs. Baxter dans son propre coin défensif. Il réussit à forcer 50 avec Elkun. Et Dax qui arrive par la suite va laisser un premier joueur touché et va laisser une Fofo dégager par la suite. Ruka manque sa touche dans le coin. Ça force Dubs à manquer. Elkun en dernier homme qui va faire l'arrêt. Le dégagement bien placé. Baxter qui va réussir à forcer dans le coin de manière safe and sound avec 7 secondes à jouer. Peut-être une dernière attaque pour nos Lynx avant l'overtime. Dax qui va réussir à envoyer dans les airs pour prendre la possession de la balle. C'est tiré, c'est cadré. Oh, Paxeux qui fait l'arrêt. Encore une fois, Unfofo qui va ramener la balle vers le sol. Paxeux qui tente de la garder dans les airs pour un dégagement, mais ça ne réussira pas. On a droit à un premier overtime, mon cher Prodeo. Et la vie de Saint-Hyacinthe dans ce upper bracket est en jeu. Les Lynx qui pourraient accéder à la finale de la LCSE en gagnant ce match-ci. Et il faut encore rappeler que même s'ils perdent cette série, ils ne sont pas éliminés, ils seront seulement en loser bracket. Exactement. Et là, on vient de réussir, suite à une démolition, un bel arrêt. Dax qui va tenter de compléter le dégagement, ce qui sera fait. Dubs qui reprend par la suite, se fait bump. Ça devient un tir pour Faxer. Dernier homme qui était bien placé. Dubs, la redirection, c'était complètement hors cadre. On va réussir à garder la pression tout de même. Backboard, c'est dangereux. Elkun le tire et ce sera fait. Saint-Hyacinthe qui vient en chercher un premier. Et là, alors, je pense qu'on était pogné dans le coin du but du côté de Paxer et Dax. On a peu... En fait, les trois joueurs étaient dans les buts. C'est pas toujours la meilleure chose, il me semble, lorsqu'on est les trois dans les buts, mon cher Atrox. Non, en effet, les trois joueurs qui sont... tels des cerfs en pleine nuit avec les phares d'une automobile, à regarder Elkun s'élever dans les airs pour placer son tir. Tir qui est au passage très bien placé, qui va permettre aussi de revenir dans le match et de revenir dans la série potentiellement avec une première victoire. Mais non, vraiment, les trois qui sont placés plus profond que la ligne des buts, dans le but, c'est extrêmement mal. Ça regarde mal pour un potentiel tir qui vient et qui complète le match. Elkun qui va... Nous en donner au moins un match de plus. Saint-Hyacinthe qui en gagne un premier. Et là, on a senti la pression du côté de Saint-Hyacinthe. On l'a senti. Et on réussit tout de même à survivre avec une prolongation du côté de Saint-Hyacinthe. C'est quand même proche d'être fini pour Saint-Hyacinthe, mais ça ne l'est pas. Et non, également, les Lynx ont également bien joué. Non, extrêmement, extrêmement bien joué. J'ai remarqué à plusieurs reprises tout de même que nos Lynx étaient sans boost dans leur zone défensive. On s'en est sorti la majeure partie du temps, mais on s'est arrivé à plusieurs reprises, contrairement au premier match où là, vraiment, on était beaucoup plus dominant dans notre playstyle. Le match numéro 4 qui s'aligne devant nous, on veut garder ce même pace, mais peut-être pas tirer de l'arrière aussi longtemps et potentiellement aller chercher le tout en temps réglementaire, pas se forcer d'overtime. À gagner. Et là, directement, la mise au jeu emmène la balle dans le territoire des Lynx. On va y aller avec Paxer qui emmène ça de l'autre côté. Ruka, peut-être un dribble aérien. Elkun qui double commit sur Ruka. Est-ce que c'était une bonne chose? En tout cas, ça n'a pas fait grand-chose, ça c'est sûr. On a peut-être de la difficulté avec les rotations du côté de Saint-Hyacinthe. Et je ne reconnais pas nécessairement les... Oh my god! On vient de voir, on a un round number one avec Paxer et notre ami ici, Salty Dubs, oui, c'est ça, qui sont pognés, donc c'est du 2v2 à Atrox. Oui, on a droit à une première rule number one ce soir. 2v2, Dax et
Belle arrêt. Taxi Unfofo contre c'est Elkun et Ruka, donc le duo infernal. Unfofo et Dax qui sont présents par exemple et qui répondent à l'appel puis vont faire 1-0 avec un peu moins d'une minute de jouer. Beau tir de Dax ici qui donne l'avantage 1-0 pour les Lynx avec ce 2 contre 2 qui a été quand même assez bref mais qui a payé pour les Lynx. Oui, et peut-être une petite explication là, pour les gens sur le stream qui comprendraient pas la fameuse rule number 1. Certains disent que c'est la deuxième, mais peu importe. Cette règle qui dit que si votre véhicule se ramasse dans une position de face à face avec le véhicule d'un autre joueur, dans une position où ni l'un ni l'autre ne peut se déloger sans lâcher le gaz, tout simplement maintiens le gaz jusqu'à temps que ton équipe compte ou vienne te déloger. C'est aussi simple que ça. Mais dans le temps de l'expliquer, Saint-Hyacinthe qui revient 1-1 quelques secondes plus tard sur le kick-off. Avec une minute de jeu, on a déjà l'égalité. Donc, les deux équipes qui mettent beaucoup de pression. Ruka amène ça. Un bon dégagement aérien ne peut reprendre sa balle étant donné que Faxeur était bien là pour faire sa job de ramener ça de l'autre côté. Faxeur essaie toujours de mettre la pression, de contrôler ça. Et le Senfofo qui va tenter d'aider. Mais Ruka trouve l'opportunité de passer cette balle jusque dans le territoire des Lynx. Dobbs avec un tir bien contré dans les airs par Faxeur. Senfofo amène ça de l'autre côté. Elkun et Ruka se sont rentrés dedans, mais la balle passe. Et ça passe jusqu'en attaque pour eux. Les Lynx sont maintenant en défense pour arrêter le tout. Unfofo contrôle avec... En fait, en faisant rouler cette balle sur le côté du mur, ça s'en va en attaque et on garde l'avance. On garde l'avantage ici. Belle pression de nos joueurs Lynx pour l'instant. Elkun avec le tir. Et c'est... Eden Barr. Ça s'est placé tout près. Un beau tir de sa part. C'était pas loin, c'était bien interprété, mais ça ne peut pas rentrer. Et là, Faxeur rate la balle. Dax était présent. Là, ça peut être quelque chose de très intéressant à mentionner. C'est pas parce qu'un joueur des Lynx rate la balle que ça rentre. Ils sont deux. Ils font... ils se relient un à l'autre pour... Idéalement trois. Oui, tout à l'heure. Par contre, ça n'a pas payé tout à l'heure en prolongation avec trois. Ça peut payer si c'est bien exécuté. Une balle qui va faire... une balloune en milieu de terrain et qui va finalement avoir une confrontation avec Ruka et Unfofo. Le tir d'Alcon et Faxeur qui fait un bel arrêt. Encore une fois, un tir qui va venir frôler la barre transversale de manière extrêmement dangereuse. Et là, finalement, on va réussir un tir cadré aussi près que ça. C'est dur à manquer, mais vraiment deux tirs back-to-back là, où Alcon va y aller de tirs extrêmement précis sur la barre transversale qui force... La défensive des Lynx à se commettre. Et oui, comme Papy le mentionne, une très belle passe de la part de Ruka à son coéquipier Elkun qui vient faire 2-1 avec 2 minutes à jouer. Et une passe avec plusieurs touches. Là, on n'a pas fait qu'une seule touche pour cette passe. Quelle passe! Bien de le mentionner. On va arrêter cette balle en milieu de terrain pour reprendre le contrôle. Dax se fait contrer directement par Saint-Hyacinthe et Ruka fait finalement un tir sur le backboard. Et Unfofo, attention, est-ce qu'on aura le temps de backer du côté d'Elkun? Oui! Unfofo se fait contrer son tir. Dax avec une passe vers Paxer qui pre-jump, comme on peut dire. Et une balle qui va finalement faire du surplace en milieu de terrain avant d'être pris par Ruka. Dobbs sur Ruka. Ruka ne peut compléter, ne peut toucher cette balle. Elkun va avoir le temps en masse, beaucoup de temps pour récolter cette balle et prend même un peu trop de temps même parce que Dax réussit à avoir cette balle. Unfofo et Dobbs maintenant avec quelques touches qui fait sur place, mais on garde là. On garde l'attaque du côté des Lynx pour un certain temps. Unfofo ne peut rien faire. Faxeur, le tir un peu trop faible, donc c'est Dobbs qui fait l'arrêt. Dax, un arrêt difficile. Et en fait, je suis même pas sûr si c'était cadré. Parce que, en fait, ça fait une passe sur le backboard pour lui-même, Elkun. Il réussit à faire un autre but, une belle avance de Saint-Hyacinthe lors de ce match.
Ouais, vraiment, là, les Lynx qui ont de la misère à faire bouger la défensive de Saint-Hyacinthe, on est toujours en position de 2 à 1 en ce moment dans la série, mais vraiment la série qui a shifté de l'autre côté, qui a été... les Saint-Hyacinthe qui ont vraiment repris contrôle des matchs. On l'a vu dans le match précédent, un peu plus dans ce match-ci par contre. Vraiment, nos Lynx qui ont plus de misère à faire bouger la défensive et à s'établir en zone offensive. Là, on voit vraiment des tirs de loin, des tirs de la mi-terrain qui sont pas très menaçants, mais c'est ça, on réussit pas à faire bouger quoi que ce soit. Et Saint-Hyacinthe qui est très content du résultat final. Elkoun, tu vas peut-être même en rajouter un autre. Un 4-1 pour la routine avec une belle double touche. Et c'est remporté, donc Saint-Hyacinthe qui ramène ça à 2-2. Une balle de match pour les deux équipes. Match numéro 5 devant nous. Oui, et là, on tente de on annonce le renversé possible de la part de Papy. Est-ce qu'on aura un renversé? En tout cas, une chose est sûre, on a quelque chose qui manque du côté des Lynx qu'on faisait tout à l'heure. Mais quoi, mon cher Atrox? Ben, comme je viens de le dire, c'est de réussir à faire bouger la défense. Et j'ai l'impression que cette frustration-là s'est transformée en beaucoup plus de joueurs hauts sur le terrain. On a beaucoup plus de commits. On a beaucoup plus de joueurs qui sont hors position. On tente le tout pour déjouer la défensive, mais on n'y arrive pas. Et c'est dans ces situations-là que vraiment, on va aller chercher les petites erreurs. Et c'est là que Saint-Hyacinthe a réussi à capitaliser. Les 4 buts d'Elkoun dans ce match-ci, 2 passes pour chacun de ses coéquipiers tout de même. Nos Lynx qui auront un seul but d'axe de la part d'Unfofo par la comme passe. Donc, une belle performance de Saint-Hyacinthe qui revient dans la série. Mais il y a encore un match à gagner. Peu importe l'équipe qui l'emporte, va se donner la chance d'aller en finale, en grande finale de la LCSE. Et l'équipe perdante descendra dans le loser bracket pour potentiellement remonter par la suite. Oui, j'ai bien hâte de voir la suite. Est-ce qu'on se fera reverse sweep, un renversé de la part de Saint-Hyacinthe, ou est-ce qu'on aura la chance de reprendre les esprits qu'on avait tout à l'heure du côté des Lynx lorsqu'ils l'ont remporté leurs deux parties consécutives? C'est ce que nous verrons, je pense que quasiment maintenant. Je pense que les joueurs sont sur le terrain. Mais oui, on va aller les rejoindre. Nos joueurs qui sont alignés, je ne sais pas ce que la partie a décidé de faire. Finalement, la partie qui décide de commencer. Et... oui, comme tu le mentionnes, Papy, Ruka dans le sac à dos. On était en bon dernier dans son équipe avec seulement 2 passes. Je sais pas si on peut dire qu'il est dans le sac à dos, mais il a tout de même participé. Mais là, c'est nos Lynx qui sont à la quête d'une victoire. Ben, Saint-Hyacinthe aussi, très clairement. Mais nos Lynx qui veulent l'emporter pour se donner un ticket vers la grande finale. Dax en zone offensive, ça va être Dobbs qui va réussir la touche et passer par-dessus lui. Elkoun, par la suite, sur son backboard, va renvoyer vers le centre Unfofo qui va forcer la balle au sol. Ça va être Dobbs qui va rattraper. Unfofo qui lui retombe dessus, réussit à battre 2 joueurs sur le coup. Mais malheureusement, Paxer qui va perdre le contrôle de sa balle par la suite pour tenter le tir. Dax va tenter un tir direct. Encore une fois, sur une défensive qui est bien placée, il n'y a pas vraiment de place à un tir. Dax va tenter de recentrer. Malheureusement, ce ne sera pas cadré. Elkoun qui prend le contrôle de la balle. On va ralentir le jeu de son côté, réussir à passer par-dessus un joueur. Le bump! Mais quel... et ce sera fait, c'est 1-0 pour Saint-Hyacinthe. Je pense que, sans aucun doute, c'est le bump qui a fait cette différence. Elkoun qui envoie cette balle un peu avec un petit lob dans les airs. Et le bump. Aïe aïe, c'était facile comme arrêt si on ne le bumpait pas. Oh, il a été intelligent. Et on est en avance du côté de Saint-Hyacinthe. Et pour le spectacle. Oh oui. Paxer qui va être en zone offensive, passe au centre, peut-être pour Unfofo. Malheureusement, on avait déjà vu que Dax était commis, on s'est pas permis d'y aller. Dax qui va tenter le 50-50, ça va passer. Dobbs qui se fait bump en tant que dernier homme dans la zone défensive. Ruka tout de même qui réussit à forcer la zone chez les Lynx. Unfofo qui va récupérer dans son propre coin, mais très rapidement battu par Elkoun. Elkoun passe au centre, ça sera bloqué. Unfofo qui a une belle cage devant lui, on va réussir le tir. Oh! Tentative d'arrêt de Dobbs, mais ça ne sera pas fait. C'est niveler la marque après seulement une trentaine de secondes depuis le premier but. On a bien vu l'opportunité avec Paxer de faire la passe. Unfofo, le tir! Et c'est le but! Dobbs ne peut arrêter cette balle de justesse, par contre. C'en était peu et ça aurait pu être l'arrêt. Oui, bien là, je suis content de voir nos Lynx en mettre un parce que ça faisait vraiment un certain moment qu'on n'en avait pas mis un et que Saint-Hyacinthe jouait dans notre tête. Là, de venir niveler la marque, ça met nos Lynx dans un total mindset différent. On n'est plus du tout dans le mindset qu'on était dans le match précédent. Là, on a réussi à niveler la marque.
ce qu'on n'avait pas fait du tout là, dans le match précédent. Donc, on se remet dans un mindset où tout est encore possible et où on est capable de faire bouger la défensive. Donc, nos Lynx qui reviennent en confiance avec ce but-là. Faire attention à ne pas être trop en confiance et pas y aller à 3 d'un coup. Là. Mais Axel qui réussit ici, la passe vers Unfofo, ça va être coupé par Elkun et dégagé par la suite par Dobbs. Ça va être Dobbs, il va tenter le tir, ce sera presque cadré, bien tenté, belle défense! Par la suite, qui est allé chercher la barre transversale, Dobbs qui va recentrer, mais bloqué par Paxer. Nelkun passe au centre encore une fois, on va tenter le bump, Dax qui reste solide sur ses appuis. Malheureusement, on est rentré en contact avec Paxer qui s'en venait pour le dégagement, mais on va manquer de vitesse pour rattraper le dernier défenseur. Unfofo, arrêt facile suite au flic de Ruka. On va réussir à passer au centre. Paxeur vers Unfofo. C'est presque cadré, mais ça ne sera pas. Et Ruka qui va prendre la balle. Paxeur par la suite va réceptionner la balle, mais la renvoyer dans le coin. On va tenter le pinch pour garder la possession vers le centre. Dax qui prend la balle. Va tenter de recentrer pour son coéquipier. Encore une fois, Unfofo qui jouait tranquillement en arrière va se contenter de reprendre la balle. Ah, touche dangereuse de Elkun, Paxeur qui était extrêmement calme et il m'a fait peur. Ah, le bomb d'Elkun! C'était une cage oui, béante! Qui est venu chercher les derrière d'Unfofo et l'a empêché de faire sa touche de dégagement. On prend tout de même l'avantage chez les Lynx. Deux miss back-to-back. Finalement, c'est le tir et ça sera cadré. Paxeur qui fait 2 à 1 avec 2 minutes à jouer. Est-ce que c'est un whiff ou c'était ce qu'il fallait faire? Dax qui rate la balle en boostant avec du carburant. Et Paxeur trouve le but facilement. Je pense que ça l'a tout simplement ébloui. Les... oui, c'est le mot, mon cher Prox. Tu l'as dit. Et ça permet aux Lynx de reprendre les devants avec moins de 2 minutes à faire. Oui, Paxeur qui a une belle ouverture devant lui. Le jeu très ouvert. On réussit à passer par-dessus un premier joueur. Dobbs qui est en danger, qui va réussir l'arrêt malgré tout. Dax face à lui va réussir à garder la pression. 1 minute 30 à jouer. Les Lynx qui sont en avant par 1. Dobbs qui réussit le dégagement. Dax par la suite qui va renvoyer sur le mur. Dax, une fois qui est venu un peu le gêner sans trop le vouloir, va réussir à renvoyer dans son coin quand sa Paxeur est finalement dégagée. Elkun qui va prendre la balle, renvoyer vers Dobbs. Ce sera sur le backboard des Lynx. En hauteur, Elkun qui va tenter le tir, ce sera hors cadre. Dégagement facile vers le coin pour Paxeur. Ça va être recentré par Ruka, mais dégagé clairement cette fois-ci par Unfofo. Elkun qui va manquer sa touche, ça devient dangereux. Heureusement, encore une fois, Dobbs qui s'illustre en défense. Dobbs qui semble être l'homme de la situation là, défensivement pour nos chers lauréats. On continue sur en zone médiane. 1 minute à faire, nos Lynx qui ont toujours un seul but d'avance. Unfofo qui réussit à renvoyer sur le mur. Ruka qui manque sa touche. Unfofo qui a une cage devant lui. Manque son tir. Mais Elkun qui réussit tout un arrêt en redirigeant la balle et permet au sien de rester en vie. Paxeur qui réussit à garder la pression. Ce sera dégagé. Dobbs dans les airs qui va canceller la balle. Et Dax avec le dégagement qui va se compléter dans les cages. Et là, c'est 3 à 1 avec 31 secondes à jouer. Et je me demande si on a quasi donné la balle en l'envoyant directement dans le plafond du côté de Saint-Hyacinthe. Souvent, je vois ça. C'est un signal un peu bizarre de la part de Dobbs. Je suis d'accord avec toi. Et ça l'a donné l'opportunité aux Lynx d'aller chercher un deuxième but d'avance avec 30 secondes à faire. Et là, ça déclasserait Saint-Hyacinthe avec cette victoire, étant donné que le BO5 serait complété avec 3 victoires du côté des Lynx. 19 secondes à faire. 2 buts d'avance pour nos Lynx. Les lauréats qui doivent aller en chercher 2 en moins de 15 secondes pour venir forcer l'overtime au moins. Unfofo qui réussit le dégagement dans le coin. 8 secondes à faire. Ruka qui va tenter de garder la pression. Ce ne sera pas fait. Paxeur qui va sagement retourner au sol. Ça va être Elkun qui va passer par-dessus Dax. 1 seconde et c'est fait. Les Lynx qui réussissent à forcer la main des lauréats et qui vont l'emporter en 5 matchs malgré la tentative de remonter des lauréats et qui vont puncher leur ticket pour la grande finale. Mais quel match des Lynx du CGP Don, mon petit. C'était, on va dire, une finale sur cette cinquième partie. Incroyable! De très beaux jeux. En fait, les Lynx en ont perdu que 2 et c'était peut-être quelque chose qui s'était passé de leur côté. Revenu en force après leurs 2 défaites et là, ça fait, je pense, toute la différence. Ouais, vraiment, là, nos Lynx qui sont revenus en force, qui se sont affirmés dans cette dernière et ultime partie. On va se permettre, avec cette victoire-là, comme je le mentionnais, d'aller chercher la Grand Final qui aura lieu le 1er mai
sur la chaîne de la LCSE, si je ne me trompe pas. Mais en attendant, de l'autre côté, dans le Loser Bracket, on avait un match contre Thetford Mine qui avait éliminé nos Lynx 2 la semaine passée et le Cégep de Sept-Îles qui avait été les grands némésis la saison au complet. Sept-Îles qui l'a emporté par la marque de 3-1 dans la série. Donc, qui, eux, s'en vont du côté du Loser Bracket Final. Et là, on va avoir encore une fois deux gros matchs en demi-finale et en grande finale. Le gagnant de la Loser Bracket Final qui remontera en grande finale. Les Lynx, numéro 1, qui restent indéfaits, donc qui auront potentiellement deux vies en grande finale. Mais oui, une belle performance de leur part qui leur permet de clutcher le tout et de s'en aller en grande finale. Papy qui dit « Très belle série, c'était chaud. Un gros cochon, merci d'être là aussi. Kilu qui est là. Il y a beaucoup de personnes sur le chat ce soir. Il y en avait pour les lauréats, il y en avait pour les Lynx. Écoute, je pense que ça l'a fait le tour des gens, ce stream-là. Et là, est-ce que tu es au courant du stream pour la semaine prochaine? Qui va affronter qui? Probablement les Lynx 1. En fait, les Lynx 1 ne jouent pas la semaine prochaine. Ah non! Donc, non, c'est congé. Oui, en effet, le seul match qui a lieu la semaine prochaine, c'est Sept-Îles contre Saint-Hyacinthe, qui sera le Loser Bracket round numéro 4. Donc, la finale du Loser Bracket. Et c'est le gagnant de cette Loser Bracket-là qui jouera Édouard Monpetit 1 en grande finale, qui, elle, sera diffusée sur la chaîne de la LCSE, si je ne me trompe pas. Donc, on est assuré d'être en finale. Oui, c'est le cas. Lynx 1 en finale. Et pendant ce temps, ben, il y a eu les matchs de consolation du côté des Lynx éliminés. On me dit aussi que les Lynx 4 ne font pas partie des matchs de consolation, étant donné que ne sont plus dans les playoffs. Aux dernières nouvelles, je vais regarder, là, je vais reconfirmer. C'est notre le coach Potato Sensei qui m'a écrit ça à 19h09. Écoute, peut-être que je me suis trompé. Je vais retourner voir sur le tournament, juste pour être sûr. Il dit Lynx 4 n'est plus dans les playoffs. Les matchs de consolation, c'est pour ceux qui n'ont pas fait les playoffs. C'était juste oui, pour exactement. Donner des matchs. Sinon, leur saison se terminerait trop tôt. Oui, exactement. Lynx 4 qui a joué contre le cégep de Chicoutimi numéro 1 ce soir et qui est allé d'une grosse victoire de 3-0 dans les matchs. Premier match de 10-1. Deuxième de 3-0 et troisième de 4-2. Donc, une belle performance de leur part aussi. Ils sont allés chercher la belle victoire en 3, le beau sweep, comme on l'appelle. On leur dit GG. Et je crois que de leur côté, c'est terminé parce que la LCSE n'affiche pas plus que genre la semaine qui s'en vient. Peut-être qu'on a d'autres matchs devant nous, mais je ne le sais pas. Donc, ça reste à voir. En attendant, nos Lynx 1 qui vont l'emporter et qui vont rester sur une belle note en attendant les finales qui auront lieu le 20 mai. Le 20 mai? Le 1er mai, qu'est-ce que je dis? Le 1er mai. Donc, le 1er et le 20 mai, on a... c'est le 20 avril. C'est le 20 avril, les demi-finales. Les finales, en fait, les demi-finales. Les finales du Loser Bracket et la grande finale qui a lieu le 1er mai, qui tombe un samedi. Et on aura deux vies du côté des Lynx. Non, dimanche. Qu'est-ce que je dis? Oui, on a deux vies en finale. Ça, c'est toujours le fun. Dans un double élimination, si t'as pas perdu en rendant en finale, t'as deux vies. T'as pas perdu, t'as encore ta vie de spare. Donc, tu peux te permettre d'en perdre au moins une. T'as une série en main sur l'adversaire. Effectivement. Et j'ai bien hâte de voir cette finale-là et de ne pas risquer l'élimination non plus avec une défaite, étant donné qu'on a deux vies. C'est un avantage, comme tu l'as dit. Mon cher Anthrox, Olivier Roy, merci d'avoir été avec nous ce soir. Mais merci à toi. Fait plaisir. Et du coup, avant de terminer cette diffusion, je veux vous rappeler que demain, on a une diffusion pour les League of Legends à 19h. Les Lynx, toujours les Lynx du Cégep Édouard Monpetit, avec le diffuseur Alberich qui vous présente des matchs le lundi, le mardi et le jeudi. Tandis que nous, moi et Monsieur Haratrox, on s'occupe des mercredis, donc soyez des nôtres demain. Et nous, on se laisse. Vous étiez sur la chaîne des Lynx Édouard Monpetit pour une présentation de Rocket League. Les Lynx s'en vont en finale dans quelques jours à peine. On a hâte. Et du coup, il semblerait qu'il n'y ait pas de diffusion pour nous la semaine prochaine du côté du mercredi.
Et, ben, en fait, j'ai simplement à vous dire merci d'avoir été là. Et on se revoit très bientôt pour d'autres matchs Rocket League. Et d'autres matchs, évidemment, il n'y a pas juste du Rocket League. Pour d'autres matchs sur la chaîne des Lynx du Cégep Édouard-Montpetit. Au revoir, Prodéo, Francis Levin-Croteau. Au revoir, tout le monde. Merci d'avoir été là.